Donc on va montrer dans une première partie que les partenariats publics-privés sont le mode de financement privilégié des grands projets utiles. Et dans une deuxième partie, que la dénonciation des partenariats publics-privés participe de la lutte contre les grands projets inutiles imposés. C'est le volet mobilisation citoyenne. Les grands projets inutiles imposés, Notre-Dame-des-Landes, le Mur Turin, la LGV Tour Bordeaux, est-ce que vous voyez pourquoi on les a dénommés grands projets inutiles et imposés? Alors, l'inutilité, elle vient de quoi? Comment est-ce qu'on peut qualifier ces projets d'inutiles? Ce sont en général des grands projets d'infrastructure. Voilà, la LGV Tour Bordeaux. On s'aperçoit que le tracé de la LGV est strictement parallèle au tracé de la ligne ancienne. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous voulez, jusqu'à présent, les grands équipements d'infrastructure visaient à développer les territoires, désenclaver les territoires, etc. Aujourd'hui, on peut dire qu'en France, il n'y a plus de territoire enclavé, il n'y a plus besoin de construire toutes ces grandes infrastructures. Là, il s'agit principalement de faire gagner du temps à des personnes qui pourront aller le plus vite possible entre Paris et Bordeaux. C'est Paris-Bordeaux en 2 heures. On n'est plus dans une logique d'aménagement du territoire, on est plus dans une logique d'attractivité du territoire et d'attractivité de la ville de Bordeaux. On est plus dans des logiques de compétition entre les villes, etc. Mais donc ils sont inutiles, ils sont extrêmement chers, ils ont un coût exorbitant, et ils sont imposés puisque, malgré l'opposition qui se manifeste sur le terrain, ces projets-là sont menés à terme. On s'aperçoit encore du caractère inutile de ces projets-là lorsque la société qui s'est vue attribuer la concession fait faillite. On a construit une autoroute qui est vide, sur laquelle ne circule aucun véhicule. Alors pourquoi est-ce qu'on a construit cet équipement-là? Eh bien parce qu'on avait considéré au départ que le trafic allait être multiplié par 2. Il n'en a rien été du tout. Alors d'une part, les recettes étaient surestimées, hein, un trafic multiplié par 2 par rapport à l'existant, et d'autre part, les coûts sont en général très largement sous-estimés. Ce qui fait qu'en fin de compte, on a construit plusieurs centaines de kilomètres, on a détruit des zones naturelles protégées, on a massacré du territoire, on a bétonné des champs, etc. Et au total, pour s'apercevoir que ça n'a servi à rien. Donc, pour ce qui est de la LGV Tour Bordeaux, c'est une concession d'une durée de 50 ans. On parle des fondements idéologiques qui expliquent le passage au partenariat public-privé. Pendant très très longtemps, lorsqu'on voulait équiper le territoire en grandes infrastructures, on avait recours à un contrat qui s'appelle la maîtrise d'ouvrage public, c'est-à-dire que c'était les services de l'État qui construisaient. Et puis, tous les grands équipements, les grandes infrastructures qui ont équipé la France après la Seconde Guerre mondiale ont été réalisées dans ce cadre-là. Et on a un virage idéologique au milieu des années 80 et on se met à dire que le privé est beaucoup plus efficient, c'est-à-dire plus rapide, moins coûteux, etc., etc. Et on passe insensiblement comme ça vers une réalisation, vers des projets par le privé. Donc, les contrats classiques de la commande publique, c'est le marché public de travaux, la maîtrise d'ouvrage public. Alors, sur le plan juridique, le marché public, c'est un contrat court. L'État demande à des entreprises privées de construire simplement des équipements, et ces équipements étant ensuite gérés par la puissance publique. Donc voilà pour ce qui est du marché public de travaux. Ensuite, dans les contrats classiques, on a la délégation de services publics. C'est un contrat plus long, puisqu'il est, ce contrat inclut la gestion
service. Gestion, c'est-à-dire, au-delà de la construction, la maintenance et l'exploitation commerciale. Alors, ce qui est intéressant dans ce contrat-là, c'est que le concessionnaire, le délégataire, est rémunéré par le paiement des usagers. Les formes de délégation de service public, c'est donc la concession, c'est le cas de la LGV Tour Bordeaux, la fermage ou c'est la régie. On parle principalement des concessions. Le PPP, ce qu'on appelle le PPP, parce que ce dont on a parlé jusque-là, c'est aussi des formes de partenariat public-privé, et dans lesquelles l'État gardait une maîtrise importante du fonctionnement, une maîtrise importante sur le projet. Avec le contrat de partenariat qui est introduit dans le droit français par une ordonnance de 2004, on change de logique. Ce contrat de partenariat, il a énormément de caractéristiques qui le distinguent donc de la délégation de service public. C'est un contrat long, mais surtout c'est un contrat par lequel l'autorité publique confie une mission globale à un opérateur privé. Alors qu'est-ce que ça veut dire mission globale ? La mission globale va de la conception. La conception, c'est y compris le design, y compris la prestation architecturale. Donc conception, construction, maintenance, exploitation, et on ajoute aussi le financement. Qui paye dans ce cas-là ? Eh bien, ça n'est plus l'usager. Ce sont les collectivités, c'est la puissance publique qui doit verser un loyer au contractant, hein, à celui qui, à la société de projet en fait, qui est en charge du contrat de partenariat. On est dans un cadre dérogatoire au droit de la commande publique. Donc le Conseil constitutionnel en 2004 a exigé que ces contrats, donc on est bien dans les contrats de partenariat, les PPP, soient justifiés par la complexité du projet, ou alors par l'urgence. Et on a ajouté 4 ans après une troisième justification possible, l'efficience économique, le bilan coût-avantage, hein, quelque chose de beaucoup plus flou. Et c'est la collectivité qui veut faire construire sa piscine dans le cadre d'un partenariat public-privé qui doit monter un dossier qui fait apparaître que le projet est tellement complexe que ses services ne peuvent pas assurer cette construction, que ça ne peut pas être une construction maîtrise d'ouvrage public, donc il faut recourir à un partenariat public-privé, parce que le projet est trop complexe. Alors, vous avez une petite dizaine de partenariats public-privé qui viennent d'être annulés par les tribunaux pour la raison du manque de complexité du projet. Par exemple, très très récemment, dans une ville de l'Aube, où a vécu Camille Claudel, la municipalité a fait construire un musée Camille Claudel, pour pouvoir y mettre les dons de l'artiste, pour pouvoir faire un musée à la mort de Camille Claudel. Eh bien, c'est un partenariat public-privé. Et je vais vous montrer tout à l'heure que c'est un contrat extrêmement coûteux. Donc, vous avez une opposition qui a déposé un recours devant les juridictions administratives et le contrat a été annulé pour défaut de complexité. On ne voit pas en effet pourquoi la puissance publique, qui a équipé la France en infrastructure d'une complexité certaine, hein, quand même pas, jusqu'à présent, on n'allait pas dire que les projets étaient trop complexes pour qu'on ne puisse pas construire des lignes de chemin de fer ou autre chose. Et là, tout à coup, un musée, c'est-à-dire un bâtiment. La collectivité se dit, tiens, c'est moderne, un PPP, on va... Et puis, ils sont sans doute des... oui, j'ai une diapo aussi. Il y a une journaliste qui s'appelle Catherine Nogal qui a fait une étude d'un certain nombre de contrats de partenariat et qui est arrivée à la conclusion que, en fait, les commerciaux des grosses entreprises de bâtiments travaux publics, à savoir Vinci, Eiffage et Bouygues, aller démarcher les communes et en particulier les territoires les plus endettés
en leur disant il ne vous manque pas une piscine chez vous, il ne vous manque pas, vous ne devriez pas refaire votre éclairage public, etc. etc. Oui, mais bon, on n'a pas d'argent. Bon, eh bien, du coup, le commercial de la grosse société dit bah, nous, on a la solution. On a un contrat qui s'appelle contrat de partenariat, au terme duquel on vous apporte le financement et ensuite vous profitez, on vous construit l'équipement, vous en profitez et ensuite vous allez nous verser un loyer pendant 35, 40, 50 ans et c'est une bonne affaire, c'est du gagnant-gagnant. Hein. Vous êtes gagnant puisque vous profitez de l'équipement tout de suite alors que vous n'avez pas l'argent et nous, bien, nous vous construisons l'équipement et nous gérons après. Nous y trouvons notre compte aussi. On ne dit évidemment pas aux responsables des collectivités à quel point ils vont être perdants au bout du compte. Mais bon, lorsque vous voulez recourir à ce type de contrat, vous devez, enfin, il ne suffit pas comme ça de dire tiens, PPP, c'est bon, j'en fais un. Il faut quand même que vous puissiez le justifier. C'est ce qu'on appelle l'évaluation préalable. Donc vous allez monter un dossier en montrant qu'il s'agit d'un projet complexe. Donc vous avez un organisme qui s'appelle la mission d'appui au partenariat public-privé, qui est une émanation du ministère de l'économie, qui doit se prononcer sur les projets de PPP et qui doit donner un avis. Alors, que vous le sachiez, tout de suite, cette mission d'appui au partenariat est principalement une mission qui a pour objet la promotion des partenariats public-privé. Elle n'a jamais rendu d'avis négatif. Tous les avis sont favorables. Donc le maire de cette petite commune de l'eau, ben, il a dit, ben oui, mais j'avais l'avis favorable de la mission d'appui au partenariat public-privé. Quand on fait un travail sérieux sur ce sujet-là, on se rend bien compte que ça ne signifie pas grand-chose. Donc comment ça se passe? Il y a une évaluation par la collectivité, par le service de l'État, qui de faire appel donc, à une entreprise privée. L'entreprise privée se constitue sous forme de société de projet. C'est une société de projet, c'est-à-dire... Alors dans cette société de projet, c'est un consortium, si vous voulez, il y a une entreprise de bâtiment, et vous avez aussi un établissement financier, vous avez plusieurs sociétés, en fait, qui forment un groupe de sociétés, un consortium. Voilà, elle construit cette société de projet. Ici, c'est la mise à disposition MAD, puis l'exploitation de l'équipement pendant une durée extrêmement longue, hein, 30 ou 40 ans. Le contrat, il a une échéance, hein, c'est la fin du contrat de partenariat. Pendant cette durée-là, la collectivité doit payer des loyers à la société de projet. Ces loyers comprennent un certain nombre de redevances pour le financement d'investissement, pour l'entretien, pour la maintenance et pour la gestion. Donc tout ça, c'est un ensemble qui va être calculé, qui va composer le loyer qui va être dû pendant toutes ces années. Il y a un problème de risque. Les partenariats public-privé, dans la logique de la gestion déléguée, sont censés être beaucoup plus efficients que le public et ils sont censés en particulier assurer un meilleur partage des risques. C'est-à-dire qu'en faisant appel au privé, on réduit les risques. La puissance publique réduit les risques. Dans la réalité, ça n'est pas vrai du tout. Dans la concession, celui qui assume le risque, c'est le concessionnaire. La société d'autoroute, par exemple, s'il n'y a personne à circuler, elle ne percevra aucun péage et elle sera en faillite. D'accord ? Alors que dans le contrat de partenariat, tous les risques sont assumés par les collectivités. Le risque d'exploitation dont on a parlé, le risque financier, puisque les collectivités ou l'État doivent se porter garant des emprunts contracté par l'opérateur privé, et puis les risques qui peuvent survenir pendant l'exécution du contrat. Le plus flagrant en ce domaine, c'est pas un grand projet inutile, hein, c'est l'extension de Paris 7 d'Hydro. Il y a deux bâtiments qui ont été construits sans respect du permis de construire, hein,
Il y a une contestation très forte et des étudiants et des utilisateurs de cette université qui ont déposé des recours et la filiale de Vinci qui était en charge du projet a fait signer à la direction de l'université un avenant au contrat, un supplément au contrat, par lequel l'université s'engageait à payer tous les frais liés au recours. Voilà. Et comme les permis de construire ont été annulés, ça veut dire que normalement, il faudrait démolir les bâtiments. Ah, vous vous rendez compte? Donc, les risques, là, le privé n'en prend aucun. Aucun. Au terme de ces contrats-là. Un contrat qui a un coût exorbitant. C'était calculé aussi bien par l'Inspection Générale des Finances que par la Cour des Comptes. La Cour des Comptes, tous les ans, publie un rapport. Elle consacre au moins une partie de ce rapport à l'étude des contrats de partenariat, et on aboutit toujours à un surcoût de 20-30% par rapport au même projet construit d'une manière traditionnelle dans le cadre d'une maîtrise d'une MOP, maîtrise d'ouvrage public. Alors pourquoi ce surcoût de 30%? Parce que la société de projet, elle apporte le financement, mais elle n'a pas forcément l'argent, donc elle doit emprunter. Et un emprunteur privé est nécessairement moins bon emprunteur que l'État ou que les collectivités. Moins bon emprunteur, ça veut dire qu'il emprunte à un taux d'intérêt plus élevé. Par ailleurs, il n'y a pas de mise en concurrence entre les opérateurs, puisqu'ils sont trois, Bouygues, Eiffage et Vinci. Donc quand il n'y a que trois opérateurs qui se partagent un marché, vous savez ce qui se passe, il y a des ententes, des collusions. Les personnes en face qui vont signer les contrats dans les collectivités sont assez peu armées pour faire face, pour s'opposer aux arguments de la partie adverse, quoi. C'est-à-dire que par exemple chez Bouygues, je crois qu'il y a 300 spécialistes du risque financier. Ce sont des gens hyper compétents dans ces domaines-là, et dans les collectivités, on a assez peu de monde pour s'apercevoir que le contrat est extrêmement dangereux. Et d'autre part, il faut surveiller, il faut rechercher des informations, c'est ce qu'on appelle les... Ce sont des contrats d'une excessive complexité. Quand on a parlé du contrat Ecomou, vous savez, Ecotax, les portiques Ecotax, les bonnets rouges, je vous renvoie à ça. Le contrat Ecomove, c'est 5000 pages. 5000 pages. Donc ce sont des contrats d'une complexité extraordinaire et il faut être à même de décortiquer tout ça. Les rédacteurs du contrat, dans les sociétés de projet, rédigent les contrats de telle manière qu'ils cherchent à se couvrir contre tous les risques, à tout prévoir, ce qui fait des contrats extrêmement longs. Voilà, donc ce sont des milliers de pages. On ne rajoute pas des pages exprès pour noyer les personnes en face, mais tout doit être écrit, tout doit être écrit. En 2015, c'est sur les partenariats publics-privés des collectivités territoriales. Donc là, je lis simplement la conclusion, ou au quatrièmement de la conclusion, la Cour des comptes demande à l'État d'étendre aux collectivités territoriales les dispositions d'un décret. Qui font qu'il faut imposer une étude de soutenabilité budgétaire au stade de l'évaluation préalable. Donc vous voyez, déjà, quand on est conduit, on va faire un petit peu n'importe quoi. Au cinquièmement, elle dit modifier les normes comptables en vue de rendre obligatoire, lorsqu'une collectivité a confié à un tiers le portage de l'exécution d'un contrat de partenariat, de faire figurer hors bilan les engagements financiers. Parce qu'effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, les engagements normalement devraient apparaître, puisque bien sûr, c'est un endettement qui s'appelle un contrat de location à terme, mais c'est comme un leasing. Mais clairement, ça n'était pas pour les collectivités territoriales comptabilisé comme un engagement hors bilan. Et on nous dit, puisque tu as parlé de la mission d'appui au partenariat public-privé, retirer à la MAPPP, donc la mission d'appui au partenariat public-privé, sa mission de promotion des contrats de partenariat. Vous voyez ? Donc en fait, la Cour des comptes, quand même, malgré tout,
Elle a quand même bien fait le tour de la question, donc je vous conseille, vous pouvez aller sur Internet, site de la Cour des comptes, et vous pouvez télécharger ce rapport, il est parfaitement accessible. C'est un document que j'ai trouvé, c'est une étude d'un monsieur Bonafou, et vous allez voir qu'il y a quand même une perversité pour la présentation du PPP. Le partenariat public-privé est à chaque fois présenté comme le privé, c'est quand même mieux travailler que le public. Alors on demande pourquoi, hein. Clairement, des hommes, de bras, des bras, de jambes, ça marche pareil normalement, mais ils savent mieux travailler. Enfin, c'est le postulat de départ où on nous explique que vraiment, eux, ils savent faire de l'économie, etc. Et alors, là, c'est intéressant parce que ce gars-là, dans son étude, ce qu'il nous explique, c'est que pour les projets à forte rentabilité, plus de 12%, projet à 12%, déjà là, c'est bon, hein, comme taux de rentabilité, avec des ordres de grandeur suggérés, aucun financement public n'est requis, que l'opérateur soit public ou privé. C'est sûr qu'à 12%, hein, si vous mettez votre argent à la banque, que ça vous ramène 12% tous les ans, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit, on est bien d'accord. Pour les projets à rentabilité moyenne, entre 8 à 12%, l'opérateur public peut investir sans subvention. Vous voyez ? Donc entre 8 et 12%, le public peut faire et il s'en sort. Alors que l'opérateur privé doit exiger un niveau de subvention. Ah, c'est bizarre, on vient de nous dire qu'ils sont meilleurs que le public. Et là, on nous explique qu'il y a entre 8 et 12%. Le public peut y aller en autofinancement, mais le privé, il va falloir le subventionner. Vous voyez, c'est pas mal ça. Et alors, le troisièmement, c'est moins de 8%. Alors là, la subvention est requise. Sur le site de la Banque Européenne d'Investissement, la BEI. Et donc, ce document est très intéressant parce que c'est une évaluation de projets d'énergie alternative, éolien, etc., etc. Et alors, que lit-on dans... Donc, ils ont évalué des projets qu'ils ont financés, soutenus, parce que la Banque Européenne d'Investissement, dans le cadre des financements européens, va amener de l'argent, là encore, sur des opérations de sociétés de projets. Qu'est-ce qu'on y lit ? La majorité des projets relatifs aux énergies renouvelables, qui composent l'échantillon étudié, 16 projets en tout, ne seraient toutefois pas financièrement viables en l'absence de structures tarifaires spéciales ou de subventions. Vous voyez ? Donc en fait, on va vous présenter à chaque fois un truc qui est, on va faire un partenariat public-privé parce que vraiment, les privés sont meilleurs. En fait, vous apercevez que dans tous les documents d'évaluation de ces partenariats publics-privés, qui ne viennent pas d'opposants, d'économistes alternatifs, de décroissants, etc., la Banque Européenne d'Investissement reconnaît, avec une candeur exceptionnelle, faut bien le dire, reconnaît qu'il n'y a pas de partenariat public-privé sans financement de l'État, sans financement des collectivités, à travers des subventions ou des conditions tarifaires qui sont spécifiques à l'équilibre du projet. La véritable essence de ce partenariat public-privé, c'est quoi ? Comme vous le savez aujourd'hui, une grande, grande majorité, si ce n'est pas la quasi-totalité des collectivités territoriales, c'est-à-dire conseils régionaux, conseils généraux, conseils départementaux maintenant, communautés de communes, etc., sont dans un état de surendettement. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont obligés de présenter des comptes avec l'équilibre. Et bien évidemment, comme on a toujours un petit peu repoussé, qu'en plus de ça, l'État, par les lois de décentralisation, a transféré des charges sans en apporter la contrepartie financière, on se retrouve souvent, et dans une quasi-totalité des cas, en grande difficulté de pouvoir emprunter. Mais quand on est élu, que ce soit national, régional, etc., on a envie de faire. On a envie de faire. Et quand on est au niveau national, on a envie de faire plein de choses à la fois pour montrer qu'on en fait beaucoup. Et alors là, le problème, c'est que si vous êtes en financement direct public, ben vous en faites un derrière l'autre. Normalement, tout ça devrait être évalué. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. En fait, l'évaluation socio-économique, on nous en parle. En 1982, 30 décembre 1982, vous avez une loi sur les projets d'infrastructure, ça s'appelle la LOTI, loi d'orientation des transports intérieurs, qui est édictée et qui dit, pour chaque projet, il faut faire une évaluation socio-économique. Ça veut dire que l'on doit savoir combien on va vendre, combien ça va nous coûter en construction, combien ça va nous coûter en exploitation,
combien on peut imaginer améliorer la situation, donc combien on pourrait valoriser cette amélioration, mais aussi combien on va valoriser les destructions. Voilà. Analyse socio-économique. Et alors, vous vous apercevez qu'à chaque fois qu'on prend un grand projet, l'analyse socio-économique, elle est passée à la trappe. C'est que normalement, de fait, comme tu le disais, les PPP ne peuvent pas être lancés sans ces évaluations socio-économiques préalables. Elles font partie de la loi. L'exemple qui est assez révélateur de ça, c'est la construction d'un stade de foot au Mans. Il a été construit, vous savez, parce que l'équipe de foot était en division, première division. Donc on avait une équipe super, on devait faire des matchs qui allaient attirer des centaines de spectateurs. On allait vendre des produits dérivés plus, et on allait gagner beaucoup d'argent. Donc c'est un partenariat public-privé, enfin, c'est une société privée qui a construit le stade, et elle devait se faire beaucoup d'argent. Sauf que l'équipe de foot du Mans, elle a perdu tous ses matchs après ça, et elle est descendue, je ne sais pas comment s'appelle le dernier niveau, national. Donc voilà, donc il n'y a plus du tout de spectateurs dans ce stade qui est vide, il n'y a plus de recettes, mais par contrat, c'est la commune du Mans qui doit boucher les portes. Revenir à ce petit calcul là, pour montrer que c'est quand même beaucoup plus cher en partenariat public-privé. Donc en maîtrise d'ouvrage public, on a cet exemple chiffré du stade. C'est pas un grand projet inutile, hein. Stade d'athlétisme d'Angoulême. Donc un coût de 5 millions d'euros. Il y a 2 millions un peu plus et des brouettes de subventions. Il reste à financer 3 millions 15. Donc si on avait construit en maîtrise d'ouvrage public, la collectivité aurait emprunté la totalité sur une durée de 20 ans. Un taux à l'époque de 4,9%, ce qui lui aurait coûté des annuités de remboursement de 250 000 euros par an. Au lieu de ça, on a choisi le partenariat public-privé et il y a des frais supplémentaires puisque la société de projet, elle emprunte à des taux supérieurs, elle s'engage à rémunérer ses actionnaires à 12% minimum. Les actionnaires font des avances en compte courant d'associés qui sont eux rémunérés par contrat à 10%. Et d'autre part, vous avez aussi des petites combines financières, des emprunts d'amis, qui sont, ce sont des emprunts qui sont garantis par les loyers que versera ensuite la collectivité. Et on obtient, en termes de calcul financier, des loyers qui sont bien supérieurs aux 250 000 de tout à l'heure, puisqu'on est là à 329 000 euros. Donc on calcule, on fait le rapport, et on obtient un surcoût de 30% dans le cadre du partenariat public-privé. Ça, c'est la réalité. C'est un exemple réel, hein. Donc vous voyez comment le privé est plus efficient, etc., etc. Tout ça pour construire un stade d'athlétisme. Donc, c'est un contrat de financement. Au terme du contrat de partenariat, le privé peut apporter 100% du financement. C'est comme ça que ça a été vendu d'ailleurs, c'est ce que tu disais Daniel. La crise est passée par là, il y a baisse des dotations publiques, les collectivités sont largement endettées, donc on ne peut pas effectivement mener à bien ces projets-là. On fait appel au privé qui, depuis 2004, peut apporter la totalité de financement. Et tout engagement à payer, c'est une dette juridiquement. Donc les loyers qu'on doit verser pendant 35 ou 40 ans, ce sont des dettes, ce sont des engagements à payer. Mais seulement, ça ne figurait pas comme dette au bilan de... Ça figurait dans le compte d'exploitation, mais ça ne figurait pas au bilan. Donc c'est de la dette cachée. Depuis fin 2010, la dette doit figurer au bilan, donc elle n'est plus cachée. Mais elle reste extrêmement fragmentée, elle est dispatchée un petit peu partout, ce qui fait qu'on n'a pas une claire idée de l'endettement de la collectivité. Et par ailleurs, les montages juridico-financiers qui permettent, toutes ces formules-là, hein, par lesquelles on arrive au montant du loyer qui va être versé par la collectivité, c'est ce qu'on appelle l'annexe financière, cette annexe financière, est protégée par le secret industriel et commercial.
Et au total, le contrat de partenariat, c'est une technique financière qui permet aux collectivités, enfin au total, c'est un élément supplémentaire, en fait, ça leur permet d'investir au-dessus de leurs moyens. Hein, vous n'avez pas l'argent, qu'à cela tienne, vous avez une société qui va vous apporter le financement, vous allez construire votre équipement, ou vous allez construire quelque chose qui est un grand projet inutile, dont la durée effectivement s'échelonne sur 35, 40 ou 50 ans, et vous avez investi au-dessus de vos moyens très très largement. Le mandat électoral, c'est des électeurs vous ont donné un pouvoir de décider, et vous n'avez pas un pouvoir de représentation. Pour bien illustrer ça, s'il y a un élu dans la salle, voilà, il est élu, il y a un moment on lui demande de voter pour la peine de mort, s'il fait un référendum dans sa commune et qu'il y a une majorité pour la peine de mort, est-ce qu'il vote pour ? Et il n'a pas du tout cette obligation, même s'il y a une majorité. On lui a donné un pouvoir et c'est lui qui décide. En matière économique, c'est pareil, et en matière d'investissement, c'est pareil. Donc, la contrepartie du fait qu'il n'a pas à rendre compte de son vote et qu'il n'a pas forcément à respecter une majorité qui serait contraire à sa décision, parce qu'il a un pouvoir de décider, c'est qu'il n'a pas le droit de voter ce qu'il n'a pas compris. C'est interdit. D'accord ? Vous devez, tous les élus doivent émettre des votes éclairés. C'est un contrat toxique. Vous avez peut-être assisté à des ateliers sur les emprunts toxiques qui plombent les finances des collectivités. Vous avez entendu parler de Dexia, vous avez entendu parler de tous ces emprunts là contractés par des communes à des taux d'intérêt, comment ils sont annexés sur le référentiel Yen, France-Suisse ou je ne sais quoi. Et au total, les communes se retrouvent à devoir payer des intérêts de 25% qui plombent complètement leur budget. Eh bien, donc, on a appelé ces emprunts-là des emprunts toxiques. On peut montrer de la même façon que les contrats de partenariat, les PPP, sont des contrats toxiques. Procédure très longue, asymétrie d'information, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, et du côté de la collectivité qui le signe, en tout cas, on n'a pas les éléments. Les coûts sont remargés. Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'était l'exemple d'un projet qui n'a rien d'inutile, c'est l'hôpital sud-francilien. Vous n'aviez que quelques salles d'opération, quelques plateaux techniques qui fonctionnaient et pas les autres, et qu'à chaque fois il fallait changer le sens d'une porte ou mettre une prise supplémentaire. C'était un sous-traitant de la société de projet qui réalisait la prestation à un coût exorbitant. Donc ils prennent des marges à tous les niveaux, si vous voulez. C'est pour ça que c'est aussi cher. Et d'autre part, la collectivité assume le risque. Donc en fait, les gens qui travaillent sur ces contrats-là disent que c'est vraiment une technique pour siphonner les fonds publics. Ou autrement, on peut dire que c'est du racket légalisé. L'exemple actuel qui fait pas mal bouger, c'est l'exemple de la LGV Tour Bordeaux. Le montage financier, c'est une concession attribuée pour 50 ans à la société de projet s'appelle Visea. C'est une filiale de Vinci. Les travaux sont estimés à 7,6 milliards d'euros. Le concessionnaire apporte 31,58% du total. Les collectivités et Réseau Ferré de France apportent le reste. Par ailleurs, Visea, qui apporte ces 31,58%, ne les apporte pas en fonds propres, seulement une partie infime, elle emprunte pratiquement la quasi-totalité de son apport. Et cet emprunt-là, de la société privée, est garanti par l'État. Ce qui fait que si la société ne réussit pas à rembourser ses emprunts, c'est les contribuables qui vont le payer. Et par ailleurs, ce qui est scandaleux aussi dans cette histoire-là, c'est que 100% des recettes sont pour le concessionnaire. On est là dans des montages ahurissants. Et ce qui est encore plus ahurissant dans cette histoire-là, vous en avez entendu parler dans la presse, c'est que pour mettre Bordeaux à 2 heures de Paris, il ne faut pas que le train s'arrête à Angoulême. Or, les élus de Charente
ont subventionné la ligne. Ils ont subventionné la ligne. Et même les élus d'élan, parce que normalement la ligne devait se prolonger au-delà. Et d'autre part, c'était une ligne sur laquelle devaient aussi se greffer des lignes transversales. Donc si vous voulez, la société concessionnaire devait récupérer énormément d'argent. Sauf qu'il y a eu abandon d'un certain nombre de projets ferroviaires assez récemment. Et du coup, le concessionnaire, à savoir Visea, eh bien, veut fixer les péages pour autoriser la SNCF à faire circuler ses trains à un niveau tellement élevé que la SNCF dit « mais on ne peut même pas faire circuler les trains, on perd de l'argent au premier voyageur transporté. » On peut parler de partenariat perdant-perdant, comme perdant la SNCF, qui considère que les péages qu'elle doit payer sont beaucoup trop élevés, qui ont réduit les desserts, les élus qui ont subventionné la ligne et qui ne verront même pas les trains s'arrêter dans leur gare, et les actionnaires de la société de projet qui ont peur que leurs apports n'aient pas le niveau de rentabilité attendu. Mais les principaux perdants, bien sûr, ce sont les usagers. Donc, comment est-ce qu'on peut faire, vous êtes citoyen, contribuable, vous voulez détecter un projet de partenariat public-privé, vous allez chercher sur Internet, sur le site de la mission d'appui au partenariat public-privé. Vous avez un bulletin officiel aussi, des annonces de la mission d'appui au partenariat public-privé. Vous avez aussi un bulletin officiel, des annonces des marchés publics. Vous pouvez vous renseigner si vous avez des rapports privilégiés avec vos élus ou simplement poser des questions. Les conseils municipaux sont ouverts au public ou la presse locale. Et puis vous allez construire un dossier sur la base d'arguments sérieux, poser des questions aux élus, poser des questions, manifester devant les sociétés autoroutières, etc. Et vous avez des arguments supplémentaires, disons, pour vous opposer à ces grands projets inutiles. De toute façon, par construction, par dogmatisme, on obtient toujours dans ces évaluations préalables, validées par la mission d'appui au partenariat public-privé, une plus grande rentabilité, une meilleure efficience économique et financière du contrat de partenariat, en introduisant donc des biais qu'on appelle coûts risqués ou autre concept totalement illicite. Si vous voulez démontrer que le projet va être extrêmement coûteux, vous n'aurez pas accès aux documents. Dans le cadre de la LGV Tour Bordeaux, par exemple, il n'y a pas accès à l'annexe financière. Protégée par le secret industriel et commercial, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous, citoyens ou contribuables, vous allez demander à la collectivité communication de cette annexe, on vous dira non. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ensuite? L'étape suivante, vous allez à la CADA, c'est-à-dire à la commission d'accès aux documents administratifs, qui, elle, ordonnera à la société de vous transmettre le document. Donc, vous le recevrez, seulement il sera, je vous montrerai tout à l'heure, complètement caviardé. C'est-à-dire que toutes les informations sont noircies. Vous avez un document inexploitable. Voilà, par exemple, je vous parlais de tout à l'heure d'une annexe caviardée. Vous allez demander la communication de l'annexe financière et vous allez obtenir un document comme celui-là. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir que ça. Circuler. Ouais. Tout ça, mais c'est secret pour le contribuable, pour le citoyen qui voudrait se procurer les renseignements. En fait, l'Assemblée délibérante, les décideurs, ils les ont, les formules. Ils ont, eux, l'annexe financière, mais ils n'ont pas le droit de faire des photocopies, de la transmettre, etc. Mais ils l'ont sous les yeux. Donc, s'ils ne la comprennent pas immédiatement, effectivement, c'est un peu gênant. Au Bordeaux, etc., que se passe-t-il quand ça se passe mal? Alors là, on a un exemple qui est extrêmement intéressant, ça s'appelle Perpignan-Figueras. Peut-être de faire Lisbonne-Kiev, en passant par le Turin, bien évidemment. Et enfin, c'est le truc génial.
Que mettent l'État, l'Europe, les États, les deux États membres, l'Espagne et la France? Bon, on le trouve sur le site du ministère du Développement durable et de l'écologie. On a mis 640 millions d'euros de subventions pour un projet de 1,1 milliard. Pas mal. Hein? Mois de juillet, dépôt de bilan du concessionnaire qui s'appelle TP Ferro, qui est 50% Vinci, 50% ACS, une société espagnole. Montant du passif du dépôt de bilan, 400 millions. Si vous faites de 640 millions plus vos 400 millions de passif, vous êtes à 1,40 million. Je pose la question bêtement, qu'a investi Vinci et ACS, TP Ferro, dans ce machin-là, puisque on arrive à 1,40 million pour 1,1 milliard d'investissements, dont 640 millions payés par l'Europe et les deux États. Vous apercevez au final que la société privée n'a pas mis un rond là-dedans et qu'elle n'a fait qu'emprunter. Et que se passe-t-il aujourd'hui? Dépôt de bilan, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la ligne? Ben non. Et ben donc, ce sont les États qui vont reprendre les dettes. On se retrouve avec un système où on a dit « Ne vous inquiétez pas, le privé y est allé, donc c'est quand même... » Eux, ils savent bien que c'est rentable, sinon ils n'y vont pas. Et puis en fait, ça n'est pas rentable, parce que ça n'est pas rentable, comme le Lyon-Turin ne le sera pas très probablement. Mais on a fait des évaluations socio-économiques, etc., qui n'ont pas été contestées, il n'y a pas eu de recours contre cette déclaration d'utilité publique. On a mis ça dans un projet européen de transport RTET, hein. Et donc, effectivement, vous vous apercevez que le privé, là, vous avez l'illustration exacte que, au mieux du mieux, le privé a mis 60 millions d'euros dans l'affaire. Et que les banques et le public, à travers l'Europe ou à travers les deux États membres, ont mis 640 millions. Et que donc, voilà, vous avez 1,40 milliard déposés par des tiers et la société qui a mis 60 millions. Ce que je veux vous dire simplement, c'est qu'à la sortie, comme tout à l'heure, c'est le contribuable qui paye. Alors là, c'est parce qu'on est passé à la novlangue depuis 2004. Avant, c'était The French Institute for PPP. Tout le monde n'est pas angliciste. Donc, l'Institut français pour le partenariat public-privé. Là, au moins, c'était clair. 97, 96, quand c'est créé, c'est l'Institut français pour les partenariats public-privé. En 2011, c'est toujours la même chose, donc maintenant ils ont un petit peu modifié, mais je vous engage à aller voir un petit peu sur le site de l'IGD, parce que vous allez y trouver des documents intéressants, notamment vous allez trouver le conseil d'administration de l'Institut de la gestion déléguée, des membres fondateurs, des personnalités qualifiées, des élus. Président, monsieur Hubert Dumény. Il était président de Réseau Ferré de France, il est maintenant président de Lyon-Turin Ferroviaire. Vous avez en dessous de ça Eiffage, Spi-Batignolles, Vinci, Bouygues, Vinci Concessions, Veolia. Vous avez tout le privé, toutes les grosses entreprises sont là-dedans. Vous avez bien sûr la mission d'appui au partenariat public-privé qui est à l'intérieur. Et cet institut de la gestion déléguée va également avoir des élus, notamment le président de l'Association des maires de grandes villes de France, la MGDF. Lyon-Turin Ferroviaire a fait une expertise pour une certification des coûts par un tiers extérieur. Ils l'ont confié à qui? À une société qui s'appelle Tractebel, sous-traitante de Lyon-Turin Ferroviaire, mais qui est associée avec une deuxième société qui s'appelle Tucrail, dont le président est administrateur de Réseau Ferré de France, associé de Lyon-Turin Ferroviaire. Ouais, truc normal. Là, tout ça, je n'ai pas besoin d'être ni à la brigade financière, ni à rien du tout. Tout ça, vous trouvez tout sur Internet. Et alors là, l'autre jour, je regarde, il y avait une contribution, justement, on préparait sur les Project Bonds, qui sont une forme de financement des partenariats publics-privés par la Banque européenne d'investissement. Et là, on tombe sur un rapport de l'Institut de la gestion déléguée, envoyé à Manuel Barroso et Michel Barnier, comme commissaire aux finances de l'Union européenne, pour dire vraiment les project bonds, c'est super bien, ça va permettre de faire des partenariats public-privé. Et là, je vais voir, et je tombe sur quoi? Le représentant du ministère de l'Intérieur, Éric Jalon, préfet de la Savoie depuis 2012, coordinateur du projet Lyon-Turin. Il était membre du conseil d'administration
de l'Institut de la gestion déléguée. C'est-à-dire que vous vous apercevez que cet institut, sur ce projet-là, c'est celui sur lequel j'ai travaillé, mais clairement, c'est une véritable stratégie, vous avez une véritable pieuvre, voilà, qui s'installe et qui ensuite de ça va avoir des ramifications. C'est-à-dire qu'eux, ils sont beaucoup plus malins que nous, il faut le reconnaître. C'est-à-dire que vous avez un autre organisme qui s'appelle le CEFOPPP. C'est le CEFOPPP, vous allez voir, qui gère le CEFOPPP, l'Institut de la gestion déléguée, qui assure toute la gestion opérationnelle. Et donc, vous avez aussi le club des partenariats publics-privés, où là, vous avez toutes les entreprises également, et toujours les mêmes relations, vous voyez, un petit peu incestueuses. Et vous vous retrouvez avec tout un aéropage qui a créé une école des partenariats pour le des partenariats publics-privés, avec des stages qui sont financés, avec bien évidemment l'argent du contribuable, pour former des jeunes des grandes écoles aux partenariats publics-privés. Vous avez aujourd'hui sur le partenariat public-privé une personne clé qui s'appelle Hubert Dumesnil, ancien président de Réseau Ferré de France, actuel président de Lyon-Turin Ferroviaire, qui est l'homme de tout le ferroviaire et qui est en train d'organiser, qui a signé Perpignan-Figueras, hein, il était président de Réseau Ferré de France à l'époque, qui a signé le Tour Bordeaux, qui a signé tous les partenariats public-privé, y compris Rennes, je ne sais plus le nom exact de la ligne, qui a lancé toutes les enquêtes publiques sur les partenariats public-privé, qui aujourd'hui n'a aucune responsabilité, bien évidemment, sur Perpignan-Figueras. Sa faute, toutes les évaluations étaient fausses, l'enquête publique est fausse, tout est faux, comme vous disiez tout à l'heure. Mais là, il n'y a pas de responsabilité. Et le dernier exemple, parce que celui-là est vraiment extrêmement indicatif. Je lis au mois d'avril, je crois, une déclaration comme quoi le président de la Fédération nationale des usagers des transports, des associations d'usagers des transports, a changé. Il s'appelait Jean Sivardière, je ne sais pas si les gens connaissent la FNAUT parmi vous, et il a été remplacé par un monsieur qui prend la présidence en avril et qui fait la première déclaration en remerciant son prédécesseur, hein, comme ça se fait toujours, et en le remerciant pour son courage dans le soutien qu'il a eu pour le projet de Lyon-Turin. Vous vous en doutez, ça m'a énervé. Je m'énerve, donc je me dis qui est ce gars-là, quoi. Normal, hein, donc Google, Bruno Gazeau. Ben, monsieur Bruno Gazeau était délégué général de l'UTP. C'est quoi l'UTP ? L'Union des transports publics et ferroviaires, en fait c'est le syndicat des transporteurs privés, 90% des membres sont des transporteurs privés, qui gèrent des transports publics, par concession, délégation, etc. Donc, un petit peu comme si, vous voyez, que choisir ? Choisir un nouveau président et ils prennent le délégué général du syndicat de la grande distribution. Vous voyez, comme ça, le mec qui connaît bien ce que c'est que la grande distribution, assure que les usagers soient vraiment bien défendus. Alors là, on a ce Bruno Gazeau, ancien représentant du syndicat du privé pour les transports publics, qui se trouve là. Je regarde quand même. Où est-ce que je le retrouve ? Membre du bureau de l'Institut de la gestion déléguée. Très très fort quand même. Très très fort. Et là, vous apercevez que vous avez une véritable plaque tournante, une organisation. Je vous donne la dernière, parce qu'il y en a encore un, le JGD, vous en doutiez. Monsieur Philippe Duron, je ne sais pas si quelqu'un le connaît, député maire de Caen, PS. Alors lui, c'est le premier multi-casquette cumulard, c'est dans toute la France, lui qui a le plus de casquettes. Il est également président de. Il était président de la commission Mobilité 21, pour ceux qui vont regarder ça, sur l'évaluation des projets qui devait être fait, ça a été rendu en 2013, et il est président de l'Association française de financement des infrastructures terrestres et ferroviaires, la FIT. Et donc à ce titre-là, en fait, c'est lui qui paye les subventions pour les projets ferroviaires, qui va amener de l'argent à Réseau Ferré de France à l'époque, l'an dernier, à la SNCF ou à Lyon-Turin Ferroviaire pour la réalisation de projets. Il est membre du conseil d'administration de l'Institut de la gestion des. Alors, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que vous avez vraiment eu une infiltration complète, y compris dans des associations d'utilisateurs de transport maintenant. Bon, à 4, on
a une liste de discussion partenariat public-privé. Ce n'est pas vraiment de la discussion, c'est plutôt de l'information. En quel cas, il y a plusieurs adhérents qui font de la veille sur là-dessus et qui sont abonnés à Bâti Actu, à la Gazette des communes et je ne sais quoi encore. Et tous les articles sur les partenariats publics-privés sont mis sur cette liste-là, comme ça. Et puis, il y a aussi possibilité de discuter. C'est-à-dire, si on a des demandes à faire, eh bien, on trouve toujours quelqu'un dans le réseau qui peut essayer de répondre à la question. Et puis, alors, on organise aussi, nous, en tant que groupe PPP, on s'est dénommé comme ça, des ateliers au CNCL, enfin, à l'Université d'été et à la Conférence nationale des comités locaux. Il y en a 3 par an. Alors, à la prochaine CNCL, on n'aura pas le temps de préparer un atelier, mais à la suivante, au mois de mars, l'année prochaine, on fera un atelier sur ce que deviennent les PPP aujourd'hui, si vous voulez, avec cette directive, cette ordonnance de juillet 2015. Parce que là, tout ça continue d'évoluer, donc on a envie, nous, de continuer aussi. Dans les luttes, il y a une construction collective de savoir. Au départ, on ne sait pas grand-chose. Et quand je dis des plus, des moins, des multipliés, après, vous allez chercher. Moi, je vais trouver, par exemple, dans le dossier d'enquête publique, qu'ils nous annoncent que la voie existante est capable de faire 120 trains par jour. Je demande aux cheminots, et ils me disent, il y en a 20 qui passent par jour. Je dis, c'est 1, c'est 2. 120 moins 20 égale 100. Et je dis, sur un train, on peut mettre 20 camions. 100 trains multipliés par 20 camions égale 2000 camions sur des trains par jour. Multiplié par 350 jours, 700 000 camions moins sur la route. À l'instant bien, c'est ce qu'ils nous annonçaient avec la nouvelle ligne. On a dit économie de 30 milliards. Enfin, ça tombe bien. Je conclue, je voudrais conclure par qui est que chaque citoyen a le droit d'avoir les comptes de l'argent public qui est dépensé. Parce que si on laisse dériver là-dessus, on arrivera effectivement à un accouplement de deux directives, les PPP plus le secret des affaires, et là, on aura perdu nos droits. Et donc, il est vraiment absolument essentiel de faire respecter ces droits. La lutte contre les grands projets inutiles imposés, c'est une lutte multidimensionnelle, extrêmement complexe. Il y a plusieurs à Notre-Dame-des-Landes. Il y a le volet de la mobilisation sociale, il y a le volet juridique, il y a le volet politique, il y a tout ça, il y a ces trois piliers-là. Donc nous, en tant que citoyens, on participe à notre niveau à nous en se documentant, en essayant de comprendre, de décortiquer les mécanismes pour pouvoir poser les questions et puis argumenter et dire c'est pas rentable, c'est extrêmement coûteux, comment vous pouvez demander des explications et... ça aide de toute façon d'avoir compris le processus. De toute façon, quand vous êtes lancé dans une lutte, c'est bien d'avoir compris comment ça... d'avoir réussi à décortiquer au maximum la totalité du projet.